على الورقة على الورقة. Pardon. Alors, sa majesté. D'accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, essai de modulation. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Et le... 1, 2, 3, 4. Essai de modulation. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Paris-Bordeaux-le-Marc. C'est bon. L'autre? Oui. We can go. Aussi, à votre majesté, vous avez reçu il y a 2 ans une interview dans l'Express. Ah oui. Bien, on va démarrer. Face au public ce soir, Sa Majesté Hassan II, roi du Maroc. Nous sommes au palais royal de Marrakech, Marrakech qui est considéré comme un des joyaux du Maroc, au pied de l'Atlas dont les cimes sont encore enneigées. Majesté, le monde bouge. Certaines situations bloquées évoluent. Le Proche-Orient, par exemple, avec la déclaration de Valéry Giscard d'Estaing sur l'autodétermination du peuple palestinien. Le Maghreb, avec le dossier du Sahara et l'attitude du colonel Kadhafi. L'Afrique aussi, avec l'accession de la Rhodésie à l'indépendance. L'islam, traversé par les secousses de la révolution iranienne et de l'intervention soviétique en Afghanistan. Or, sur toutes ces affaires, vous êtes un des chefs d'État, un des dirigeants les plus influents et les plus écoutés. Avec Paul Balta du Monde, Roger Bouzinac de Nice Matin, Paul Naon d'Antenne 2, André Potard de Express et Édouard Sablier de France Inter, nous allons durant ces 50 minutes faire le point sur toutes ces situations plutôt brûlantes. Majesté, vous vous êtes rendu il y a quelques jours à Darla, capitale du Rio de Oro, c'est-à-dire la partie du Sahara livrée par l'Espagne à la Mauritanie. Par ce geste, vous avez voulu montrer votre détermination de conserver la partie saharienne qui vous a été attribuée par les accords de Madrid, mais également la partie mauritanienne abandonnée par eux. Cette démarche prouve, je crois, votre volonté de garder tout le Sahara occidental. Cela pose la question à laquelle vous nous avez promis de répondre il y a quelques jours aujourd'hui. Majesté, avez-vous les moyens de cette politique, tant sur le plan économique que sur le plan militaire? Il est certain que, de nos jours, vu l'instabilité économique et financière mondiale, très peu de pays peuvent se dire à l'abri d'une situation difficile sur le plan économique et financier. Parmi les pays qui ont supporté le plus le poids des dernières années se trouve le Maroc. Car le Maroc, tout en ayant sa caisse de compensation pour le maintien d'un certain nombre de prix de denrées fixes, mais nécessaires, subit, chaque fois qu'il y a une hausse de l'énergie, subit en contre-coup cette hausse. Il ne faut pas croire, parce que nous sommes pays arabes ou musulmans, que nous avons des tarifs privilégiés ou préférentiels en ce qui concerne le prix du brut ou du raffiné. Et jusque-là, nous avons tenu le coup, et nous pensons tenir le coup, car en définitive, nos difficultés économiques ne viennent pas de nos dépenses. Elles viennent du fait qu'il faut rembourser. Et c'est l'année 80 qui constitue le pic des remboursements des prêts qui nous ont été faits. Mais en dehors du fait de trouver un certain nombre de millions de dollars à la fin de l'année 80, grâce à Dieu, le Maroc se porte bien économiquement et financièrement. Mais alors je disais aussi militairement, est-ce que la politique que vous entreprenez pour le Sahara, vous pouvez l'amener militairement? En définitive, je ne mène pas de politique particulière. Je ne fais que réfléchir, que refléter les sentiments de mon peuple et conduire mon armée là où mon peuple veut qu'elle soit. Le jour où les Marocains voudront cesser de combattre, nous combattrons, nous cesserons faute de combattants. Mais tant qu'un Marocain voudra combattre, je l'encouragerai. André Potard, Express. Sire, votre majesté pourrait-elle nous faire un bref exposé sur la situation telle qu'elle existe aujourd'hui sur le terrain au Sahara? Bien, la situation telle qu'elle existe sur le terrain, le plus franchement, le plus clairement, le plus nettement possible, c'est que la partie qui est le plus l'objet des raids du Polisario, c'est la partie qui a toujours été reconnue comme étant frontière internationale du Maroc, c'est-à-dire dans l'Ouaddra. Par contre, dans la région de Smara, ou de Boukra, ou de Layoun, c'est assez sporadique. Du côté de Dakhla, nous n'avons pas vu un seul Polisario depuis que nous y sommes.
Et la conclusion à tirer de cela, c'est que le Polisario ne tient pas tellement à faire une guerre de harcèlement ou une guerre de récupération, mais il voudrait nous installer dans une guerre, dans une sorte de fièvre endémique, une fièvre des marais, une sorte d'habitude à l'insécurité. Une agression, en quelque sorte. Une agression constante. Constante, mais nous ne laissons pas faire. Et le jour où j'étais à Darla, de très gros accrochages ont eu lieu du côté, justement, au sud de Tantan, au nord de ce fameux parallèle qui nous séparait de l'ancien Sahara. Majesté, si je puis me permettre, le Polisario réussit en partie à vous faire prendre cette position, c'est dans cette guerre d'usure. Dans un sens, oui, mais dans un sens, non, dans un sens, oui, nous pourrions le poursuivre et aller en Algérie, mais cela alors serait déclencher une... Droit de suite. Oui, ce serait une calamité de nos jours. Le droit de suite, on ne sait pas où le commencer, on ne sait pas où le finir. Parce que, Majesté, est-ce que cette guerre d'usure ne pèse pas lourdement sur les finances du royaume? Non. On a avancé des chiffres, est-ce que coûte cette guerre? Je ne saurais vous le dire. Même le saurais-je que le chiffre serait une sorte d'armement stratégique que je ne vous donnerai pas. Roger Bouzinac, ce matin. Majesté, vous venez de dire qu'un droit de suite, ce serait une calamité. En définitive, vous marquez votre désir profond de maintenir la paix. Il n'en demeure pas moins qu'un jour l'épreuve de vérité se posera. Est-ce que vous croyez que vous arriverez à régler le problème d'une manière pacifique, comme vous semblez le souhaiter ardemment, ou est-ce qu'il y aura un affrontement avec l'Algérie? Enfin, tous ceux qui peuvent faire ou écrire ou remonter le cours de l'histoire des 5 dernières années vous diront que ce n'est pas le Maroc qui s'est préparé à la guerre. Ce n'est pas le Maroc qui était l'agresseur. C'est l'Algérie, ouvertement, par les premières troupes d'Amgala, qu'on oublie toujours. C'était l'ANP qui a attaqué le Maroc. Elle s'était donc préparée à le faire. Le Maroc n'attaquait personne, ne voulait attaquer personne. Bon. L'Algérie dit, moi, je ne peux pas oublier l'autodétermination au Sahara quand je l'ai appuyé au Vietnam. Je considère que ça, c'est un argument tout à fait spécieux. Toujours est-il que cette guerre nous a été imposée par nos voisins. Mais il y a une chose qui s'impose à nous plus encore, c'est de ne pas être coupé de l'Afrique noire. Ni par le Sahara, ni par une Mauritanie qui ne soit plus mauritanienne. Et quand je dis nous, je parle du tunnel sous Gibraltar. Quand je parle du tunnel sous Gibraltar, je parle de l'Europe. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous tous, nous ne devons pas être coupés de l'Afrique noire. Et c'est ce qu'on est en train de faire, ou de chercher de faire, soit par la Mauritanie, soit un peu plus haut par le Sahara. Georges Sablier. Il y a quelques mois, vous nous expliquiez certains des engagements qui s'étaient produits entre les troupes marocaines et le Polisario, en expliquant que le Polisario avait une force d'attaque beaucoup plus grande, avait un armement ultra-moderne, et que par conséquent, vos troupes avaient quelque peine à soutenir quelquefois les raids éclairs du Polisario. Est-ce que la situation a changé? C'est fini. Avant, nous ne portions pas la même pointure. Nous avions l'armement conventionnel occidental. Eux avaient pris l'armement conventionnel russe. Or, les Russes, les Soviétiques et le pacte de Varsovie, eux ont continué non seulement à développer leur armement sophistiqué, mais à développer aussi l'armement conventionnel. Par contre, l'OTAN et l'Occident n'ont pensé qu'aux gadgets ultra perfectionnés, oui, parce qu'ils n'avaient pas de guerre à faire par personne interposée. Par contre, le camp socialiste a des guerres à faire par personne interposée. Alors il fait des armes à l'échelon de ses armées, qui tout en étant pas les siennes, sont les siennes. De ce fait, nous sommes trouvés dans un armement conventionnel, collectif, individuel, mais qui était d'une pointure et demie supérieure au vôtre, quand je dis au vôtre, aux Européens. Nous l'avons acheté, ça nous a pris du temps, il a fallu instruire les hommes dessus. Maintenant, nous usons du même matériel, nous en usons mieux, et je dois vous dire que maintenant, la situation s'est complètement redressée. Sire, le renversement interviendrait après Smara, chronologiquement. Chronologiquement, il a commencé à intervenir après Biranzaran. Après Biranzaran, où l'attaché militaire français pourra vous le dire, à Nouakchott, il y en avait parmi ces Polisario qui étaient retournés à Nouakchott, les gens qui sont là-bas pourront vous le dire, ils ont laissé un minimum de 1500 personnes lors de cette attaque de Biranzaran, sans compter celle de Smara. Alors, ils sont actuellement dans le creux de la vague sur deux plans.
sur le plan humain, d'une façon générale, parce qu'un homme ne se fait pas, il faut au moins 6 à 7 mois pour faire un guerrier, et deuxièmement, sur le plan ethnique, il y a presque plus de Sahraouis. Alors, parmi ceux que nous prenons comme prisonniers ou comme blessés ou morts, on remarque d'abord des gens qui ne sont pas des Sahraouis, deuxièmement, qui portent beaucoup de blessures dans le dos, et troisièmement, beaucoup de tuberculose. Paul Nahon. Majesté, vous avez supplié les Américains de vous fournir des armes. Alors, j'aimerais vous demander s'ils ont satisfait à toutes vos demandes, jusqu'à ce jour. D'abord, je n'ai pas supplié, j'ai demandé, parce que j'aurais expliqué que pour leur propre intérêt, il fallait qu'ils nous en donnent, car ils ne pouvaient pas se démarquer. Autrement, les armes qu'ils nous ont vendues, l'Europe en possède de meilleures. Ils nous ont vendu des F5E, le Mirage F1 est supérieur 10 fois au F5E. L'avion français. Oui, exactement. Et vous faites la différence grâce à l'avion français au Mirage? Comment? Vous faites la différence grâce au Mirage? La différence entre quoi? La différence sur le terrain. Pour certaines opérations, oui. Par exemple, de nuit. Bien que ces Mirages ne soient pas équipés pour agir de nuit. Le fait, par exemple, qu'il ait le canon sous le nez n'aveugle pas le pilote, alors que les autres avions ont des canons sur les ailes ou sur le nez, en haut. Alors, quand le pilote tire, il est aveuglé de nuit. Par contre, sur le F1, c'est un petit détail, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que le pilote est content et heureux de pouvoir voir sa cible. Mais il n'y a plus de problème avec les Américains. Aucun problème. Non. Ils nous ont livré. Mais la livraison qu'ils nous font, ou qu'ils vont nous faire, était plus symbolique qu'autre chose. C'était moins de 24 avions, 10 Oviten et à peu près 6 hélicoptères de combat. C'est pas avec ça qu'on peut engager et à gagner une guerre. Pas d'instructeur militaire américain sur le terrain? Non. Ici? Vous êtes formel? Formel. Paul Baltard. Majesté, en 1978, pendant 6 mois, il y a eu des conversations secrètes qui ont été tenues secrètes entre un de vos conseillers, M. Guédira, et le docteur Taleb Ibrahimi, un ministre algérien. Il ne semble pas que ces conversations aient abouti à un accord. Est-ce qu'actuellement, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose en guise sous roche entre le Maroc et l'Algérie? Est-ce qu'une négociation est possible, puisque vous en avez souvent parlé, ou est-ce que c'est l'impasse? Vous savez, M. Balta, une négociation est toujours possible. Et je pense qu'on ne fait une guerre que pour négocier, en définitive. Car la finalité des guerres, c'est de négocier. Seulement, voilà, on va à les négociations avec plus ou moins d'empressement, suivant que l'on a un bon ou un mauvais dossier. Moi, je sais que je suis prêt à tout moment à aller négocier, parce que j'ai mon dossier qui est pris, qui est bon. Je suis prêt à négocier pour la paix au Moyen-Orient, comme je suis prêt à négocier pour la paix au Maghreb, parce que pour les deux cas, j'ai un dossier en tant que Marocain, en tant qu'Arabe, qui est très solide. Oui, mais les Algériens vous renvoient au Polisario. Le Polisario, c'est des Mauritaniens ou des Marocains. Je ne peux pas négocier avec quelque chose qui n'a pas de forme juridique. Oui, mais Majesté, en 1976, votre délégation à Addis Abeba avait réussi à bloquer la reconnaissance du Front Polisario par l'OUA. Mm-hmm. Actuellement, enfin, dans les semaines ou les mois qui viennent, on peut imaginer que la RASD réussisse à trouver les 25 voix qui lui permettraient d'être reconnue ou d'entrer à l'OUA. Que feriez-vous? Si elle rentre à l'OUA, je la quitterai. Moi, je ne serai que le premier à la quitter. Que si elle continue comme ça, je pense que bientôt tout le monde va la quitter. Mais je ne pense pas que l'Afrique reconnaisse la race, si vraiment l'Afrique vit l'heure que nous vivons, si elle vit les événements que nous subissons, si elle réagit en Afrique et en pays musulmans, je crois que les votes concernant la race, si on devait aller faire maintenant, ou concernant le Polisario, iraient à l'encontre depuis les événements d'Afghanistan. Ceci, si l'Afrique est consciente, si elle est éveillée, si elle vit les événements, si elle les analyse. Je souhaite que tous les six soient remplis parce que ce continent a besoin de comprendre. Majesté, vous venez de dire, on fait une guerre pour négocier, donc un jour ou l'autre, vous trouverez un terrain pour négocier. Ce conflit se terminera. Quelle solution devrait être trouvée, à votre point de vue? Pour mettre fin à ce conflit au Sahara. J'ai mon idée là-dessus, mais j'ai décidé de n'en parler à personne. Et je tiens à vous dire que, comme je dis toujours, nous sommes deux à le savoir, ma conscience et moi-même.
tout seul. Edouard Sablier. Si on venait de parler de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, vous avez dit que actuellement elle traversait une crise de faiblesse. Je voudrais vous parler d'un autre organisme qui nous a un peu étonnés ces temps-ci, c'est la Ligue arabe. La Ligue arabe, le colonel Kadhafi a porté plainte contre une invasion de la Tunisie par l'armée française. Il a parlé de combats dans les rues de Tunis et de bombardements par la flotte américaine. Or, les gens de la Ligue arabe se trouvaient sur place. Comment expliquez-vous qu'aucun n'ait vraiment relevé ce problème en disant « vous vous moquez de nous ». Où sont les traces de ces combats dont vous parlez? Mais même pas votre délégué, si j'ose dire. Mon délégué ne l'a pas dit parce qu'on ne lui a pas demandé de le dire. Mais si les Tunisiens nous avaient dit « écoutez, soyez gentils, dites qu'il n'y a personne », on leur aurait dit, je crois même que nos amis tunisiens ont considéré qu'il était inutile d'appeler au secours quelques délégations autres que la délégation tunisienne, parce que des visus, tout le monde voyait que Tunis n'était pas occupé. Je pense que nos amis tunisiens ont considéré qu'il n'était pas nécessaire qu'on vienne à leur secours pour une affaire aussi patente. La Ligue arabe, ce qui y arrive était fatal, parce que cette Ligue arabe s'est constituée autour de la libération des États arabes. Mais une fois les États arabes libérés, chacun a pris son option économico-sociale. Il est impensable que dans une ligue ou une organisation puisse subsister un minimum de liens unitaires lorsque les systèmes économico-sociaux sont différents. Dans ce domaine-là, la politique primant le sentiment, la Ligue arabe se devait de prévoir non pas sa décrépitude, mais tout au moins son inefficacité. Par contre, la conférence islamique, elle, ne présente pas ses failles, car elle est basée avant tout sur la foi et pas sur la politique. C'est ce qui a donné la réaction massive, non équivoque et unanime du monde islamique par rapport au monde arabe. Le ministre Edouard Sablier vient d'évoquer le rôle du colonel Kadhafi dans les événements de Tunisie. On peut dire que le colonel Kadhafi, aujourd'hui, porte son action un peu partout, non seulement au Maghreb, mais également en Afrique noire. Est-ce que vous pensez que l'Afrique doit s'organiser? Nous étions pour cette même émission il y a quelques semaines au Gabon, où le président Bongo pensait qu'un jour ou l'autre, il faudrait peut-être donner une réplique sérieuse au colonel Kadhafi. Est-ce que vous pensez qu'il faut le faire? Je dirais, comment la faire? Je pense qu'en tout état de cause, il faut le faire. Comment le faire? Eh bien, il faudrait d'abord que certaines pratiques... De malhonnêteté n'existe plus à l'échelon africain, pour commencer d'abord à échapper à l'emprise de Kadhafi. C'est la première chose à faire. Je pense à des choses particulières et faciles. Oui, qu'appelez-vous de malhonnêteté? C'est-à-dire qu'il ne faut plus toucher de pot de vin. Kadhafi touche des pots de vin? Non, il en donne. Non, ce n'est pas des pots de vin, parce que ce n'est pas chez lui, c'est des pots de pétrole, des pots de quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'il faudrait quand même que certaines pratiques s'arrêtent. Oui, je vous en prie. Si le continent africain veut devenir sérieux, ces pratiques s'arrêtant, je pense qu'à ce moment-là, la moitié des moyens de Kadhafi se trouvent mis hors de combat. Car en définitive, qu'a-t-il Kadhafi? Il a de l'argent et des armes en ont quoi savoir faire. Ces armes elles-mêmes se divisent en deux. Il y a les super sophistiqués comme les T-72, qui sont des chars avec laser, tourelle gyroscopique, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et des MiG-25, chose que ni l'armée russe, syrienne, ni l'armée égyptienne ne pourraient piloter. Donc il y a d'abord les moyens moraux pour faire front à Kadhafi. Ce sera peut-être le plus difficile à réaliser, peut-être, là, Majesté. Oui. Alors qu'est-ce qui reste alors? Je ne suis pas son voisin. Si repensez-vous que ces moyens techniques extrêmement sophistiqués dont il possède, les Libyens puissent les piloter? Non. Donc il y a une présence étrangère importante en Libye? Pas forcément. Ou bien il y a une présence étrangère, ou le cas échéant, il y aurait une présence étrangère. Qui serait des pilotes de chars ou des pilotes d'avions super sophistiqués et qui pourraient agir en Afrique, là on voudrait. Du reste, il a montré le bout de l'oreille lorsqu'il a dit à un quotidien ou à un hebdomadaire français
que rien ne l'empêchait de faire partie du pacte de Varsovie. Il l'a répété par la suite. J'ai demandé à tous mes amis d'y réfléchir. S'il fait partie du pacte de Varsovie, obligatoirement la solidarité de Moscou et de toutes les capitales interviendra en faveur de Kadhafi, qu'il soit attaquant ou attaqué. J'espère que l'Égypte a compris. Et vous ? Au moins, il y a longtemps, j'ai compris. Paul Nahon. Majesté, si la Tunisie était déstabilisée après les événements de Gaza avec la maladie du Premier ministre, M. Nouira, est-ce que le Maroc serait alors le dernier pays du Maghreb dans le clan occidental ? D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelle raison ? Parce que la Tunisie est un peuple. Et on déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, non, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complètement. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement ? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il aura un Tunisien, le peuple tunisien restera. Je vous inacte. Majesté, tout à l'heure, vous sembliez croire qu'il fallait arriver à une certaine moralisation de la politique et en particulier mettre fin à la pratique des pots de vin. Je voudrais demander, avec beaucoup d'humilité, est-ce que vous considérez plus coupable celui qui les reçoit que celui qui les donne ? Est-ce qu'il n'y a pas incontestablement une grande part de responsabilité de grandes nations occidentales qui ont été des initiateurs dans cette pratique ? Et revenant à ce que on vous demandait tout à l'heure, Majesté, est-ce que vous croyez vraiment, si on arrivait à une moralisation de la politique, que l'Afrique arriverait à se structurer comme vous semblez le souhaiter ? Et ma troisième question, je voudrais savoir quelle conception on peut avoir à travers vos propos de la stabilisation, parce qu'il est incontestable que des pays qui étaient aussi fortement arrimés à l'histoire et au passé se sont trouvés subitement déstabilisés, et je comprends un peu les appréhensions que notre ami Nahon exprimait tout à l'heure. Pour répondre à votre première question, nous avons en arabe un adage juridique qui dit « Maudit soit le corrupteur et le corrompu ». Donc je pense avoir répondu à votre question, et chez nous, les mêmes peines sont appliquées aux corrupteurs comme aux corrompus. La deuxième question. Je ne suis pas pour un ordre moral nouveau. Le monde est ce qu'il est, l'homme est ce qu'il est, et plus on découvre sa structure interne, ses glandes, les composantes de ces facteurs génétiques, plus on se demande comment il n'est pas encore plus fou qu'il n'est. Non. L'ordre moral, pour moi, c'est avoir un minimum de respectabilité et d'avoir un minimum de continuité dans sa vision des choses et dans son analyse. Mais de là à voter noir le matin et revoter blanc le soir, alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre d'amoralité. Ce n'est même pas immoral, c'est amoral. Quant à la troisième question, je pense que quand on parle une langue, on peut valablement en faire la critique. J'estime que le mot déstabilisé a été employé trop souvent et pas à bon escient. Car en définitive, déstabiliser n'est pas effacer de la carte. Ce n'est pas détruire. Ce n'est même pas dépersonnaliser. Déstabiliser, c'est quelque chose qui était debout, qu'on fait tomber, mais qui peut se remettre debout. C'est pour ça que quand je parle de déstabilisation, je ne parle pas de renversement. Dans mon esprit, c'est une mauvaise période à passer pour un pays comme pour un être humain. Paul Baltin. Oui, cela étant, pour la Tunisie, s'il y avait, je pense que notre ami Nahon parlait d'une déstabilisation du régime du gouvernement, ça pourrait modifier tout de même l'équilibre au Maghreb. Je ne vois pas que le récipiendaire du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale si le régime était changé. Oh, il y a toujours des imbéciles qui courent pour prendre la tête d'un État.
Alors là, je puis vous dire que ceux qui y vont en courant, c'est vraiment des imbéciles. J'en sais quelque chose. Je préférerais beaucoup plus me reposer que... Mais, à supposons qu'on trouve un récipiendaire pour prendre le pouvoir ou l'administration à Tunis. Qui aurait-il derrière lui? Il va gouverner 6 millions de Tunisiens avec 200 000 hommes. On l'a déjà vu, Majesté. Où? Des gens qui gouvernent sans l'accord du peuple. Pas dans des pays ayant une tradition historique. Vous ne le verrez jamais au Maghreb. Ou alors il faudra avoir quadrillé toutes les villes, toutes les campagnes, toutes les montagnes au Maghreb. Quand on est un substratum, pensez-vous que la France pourrait être... Tous les Français avaient la peur de la gauche. Mais laissez faire et supposons que la gauche vienne. Vous croyez que la gauche serait, étant venue au pouvoir, aurait pu déstabiliser la France? Mais tous les dirigeants du Maghreb ou de l'Afrique ne sont pas démocratiques. Comment? Tous les dirigeants du Maghreb ou de l'Afrique ne sont pas démocratiques. La démocratie... On a déjà vu les prises de pouvoir par les armes, sans le peuple. Par exemple? Je parle par exemple de Centrafrique. Centrafrique, ça n'existait pas. Le Bénin. Ça n'existait pas. Bien, de toute façon, on parlera tout à l'heure du dossier africain. Je disais tout à l'heure, Majesté, le monde bouge, les choses changent. Peut-être sont-ils en train de changer au Proche-Orient en ce moment, ou peuvent-elles changer au Proche-Orient en ce moment? Le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, la semaine dernière, prononcé le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Est-ce que vous pensez que cette initiative du président français est de nature à relancer le processus d'une négociation globale au Proche-Orient, malgré peut-être l'attitude en ce moment restrictive des Israéliens? À mon avis, la déclaration du président de la République française est une déclaration qui est vraiment capitale, car elle fait prendre un virage. Pourquoi capitale? Parce qu'elle entraînera certainement l'adhésion de l'Europe. Dans cette affaire des Arabes, des Israéliens, la France a toujours été considérée depuis le général de Gaulle comme étant le chef de file de l'Europe. Cette attitude prise par la France a du reste été corroborée par l'Allemagne. Elle amènera donc l'Europe à prendre conscience et de peser sur les États-Unis. Si l'on ajoute à cela que l'Europe, tout en ayant condamné l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, n'a pas pris l'attitude d'animosité à l'égard de l'URSS, ça peut-être tout ça rouvrir une porte à la conférence de Genève. Car penser que la solution au Moyen-Orient puisse être trouvée sans l'URSS, c'est à mon avis être assez nébuleux ou vivre dans des fantasmes. Donc, supposons, en politique, rien n'empêche de rêver. Rêvons ensemble. Supposons la Russie réintégrée grâce à l'Europe, réintégrée dans le circuit Moyen-Orient. À ce moment-là, et dans le cadre de Genève, ou toute autre capitale. À ce moment-là, continuons à rêver, puisque toute chose étant changée et ayant changé, rien n'empêche l'Égypte de rejoindre la famille arabe. Et on dit, bon, eh bien, on efface tout et on recommence. On ne recommence pas à faire la guerre, non, pas du tout. Mais on recommence à repartir sur des négociations. Et rien n'empêche de prendre dans les accords de Camp David, ils ne sont pas tous mauvais, un paragraphe ou deux comme base de départ. Mais à condition que le préliminaire et que le premier article cite et s'occupe des Palestiniens. Est-ce que ça a été une des bases de vos discussions toutes récentes en Irak? Non. Non, parce qu'à ce moment-là, le président Giscard d'Estaing n'avait pas fait sa déclaration. L'Europe n'avait pas encore commencé à prendre le chemin. Et le temps était trop court. Le président Saddam est un homme très ouvert. C'est un homme qui incarne la raison. Peut-être même pourrait-on l'appeler le cartésien. Ça peut surprendre, mais l'Irak d'aujourd'hui n'est pas l'Irak d'hier. Il aurait fallu peut-être deux jours de discussion pour arriver à tracer ou à rêver ensemble. Nous avons parlé du concret. Si nous étions restés un peu plus ensemble, nous aurions peut-être rêvé tous les deux. Parce que en politique, il faut imaginer.
Et ce que je vous dis là n'est pas tellement important. Ce front du refus, Majesté, malgré tout, dont l'Irak est quand même l'animateur, n'a pas tellement un bilan positif à mettre à son actif. Ah pardon, l'Irak a toujours refusé d'être parmi le front du refus. L'attitude irakienne est dictée par deux choses. La première, c'est que c'est encore le seul pays arabe qui n'a pas repris ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Et la deuxième, le deuxième élément de son attitude, c'est que c'est le seul pays arabe qui n'ait pas reconnu encore la 242. C'est-à-dire la résolution qui était votée au Conseil de sécurité en 67 exactement. Et qui reconnaissait exactement. Les frontières. Il est certain que si on arrivait à avoir une résolution 242 parlant des Palestiniens comme ayant des droits et non pas comme étant des réfugiés, je suis à peu près certain que si, comme l'a dit Saddam du reste quelques jours avant que je n'arrive, il a fait une déclaration disant qu'il était impensable que l'Irak n'ait pas de relations diplomatiques avec la plus grande nation du monde, il l'a dit publiquement. Si donc ces deux facteurs étaient réunis, mais le front du refus n'existerait plus parce que l'Algérie ne pourrait plus continuer, Kadhafi, bon, n'en parlons plus. Alors il resterait la Syrie, ben, la Syrie serait englobée dans le processus commun. L'OLP étant reconnu et devenant interlocuteur, ne pourrait pas refuser. Donc en somme, c'est trop beau pour être vrai, c'est pour ça que j'appelle ça un rêve. Est-ce que vous pensez que les Israéliens pourraient accepter ce processus que vous êtes en train de nous décrire, Majesté? Je pense que pour les Israéliens, il y a deux points importants. Lorsque nous disons paix, eux parlent sécurité. Je pense que dans ce domaine, la garantie des cinq puissances du Conseil de sécurité, la garantie de l'Europe, la garantie des garanties globales et bilatérales pourraient faire que pour eux le mot paix soit le mot paix et non pas sécurité. Le deuxième problème pour les Israéliens, pour eux il n'est pas question de paix seulement, ils parlent aussi de la nature de la paix. Quand ils disent paix, ils disent non, nous voulons que les frontières soient ouvertes, qu'il y ait libre circulation des biens et des richesses, qu'il y ait représentation diplomatique, donc c'est la nature de la paix. Je pense personnellement que ce deuxième point est plus un point psychologique qu'un point d'achoppement juridique. Et lorsque toute cette affaire-là sera démystifiée, et quand je dis démystifiée, j'emploie bien le mot, je veux dire même exorcisée, il faut que Satan sorte de cette histoire-là et qu'il s'en aille, je pense que les fils d'Abraham pourraient espérer. Donc vous pensez qu'en cette année 1980, on est beaucoup plus proche d'une solution de paix que l'année dernière? Non, l'année 80, c'est l'année des élections. En Amérique, En outre, il y a tout de même, on s'en aperçoit avec l'Égypte, il y a des réactions populaires qui font que la normalisation ne peut pas se faire rapidement, ni du jour au lendemain, et que cela risque de prendre du temps. D'autre part, il y a tout de même ce réveil, ou cette vague d'activisme musulman et nationaliste qui secoue quand même le monde à la fois arabe et musulman, qui peut être aussi un élément de difficulté, une difficulté supplémentaire à parvenir à la paix. Incontestablement. Continue. Cette difficulté étant elle-même, d'ailleurs, le résultat peut-être de l'attitude passée d'Israël. Enfin, je crois qu'il y a une dialectique entre les deux choses. C'est-à-dire que le problème, à mon avis, de ce réveil musulman dont vous parlez, le réveil n'a pas été le réveil des musulmans. C'était le réveil des minorités musulmanes. Ça a été le réveil des chiites. Et la chiite représente seulement 10% du monde musulman, 90 millions sur 900 millions. Ce réveil n'a pas été un réveil spontané. On est allé chatouiller la queue du diable, sachant pertinemment qu'au cours de toute l'histoire de l'islam, ces minorités ont causé, ont posé des problèmes aux autorités musulmanes sunnites, que ce soit les califes omeyyades ou les califes de Bagdad sous les Abbasides, ou que ce soit l'Empire ottoman. Donc si on laissait ces minorités se calmer, et si on ne les agitait pas pour d'autres raisons que pour l'islam, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Certes, le démarrage du dialogue est toujours plus difficile. Le tout, c'est de mettre le pied à l'étrier. Majesté, doit-on comprendre, d'après tout ce que vous venez de dire sur le Proche-Orient, qu'après avoir regardé avec une certaine sympathie, même encouragé, le président Sadat dans son voyage à Jérusalem, que le Maroc se range maintenant dans le clan du refus? D'abord, je maintiens une chose, c'est que, et je rends hommage au président Sadat pour sa délicatesse,
Je n'ai pas eu à l'encourager car j'ai, comme tout le monde, je vous l'ai dit plusieurs fois, été tenu à l'écart de ce voyage. Il a tenu à n'engager personne de ses amis par délicatesse et aucun des chefs d'État arabes ne savait qu'il allait à Jérusalem. André Potard. Deuxièmement, je ne me suis pas mis dans le camp du refus. Seulement, je n'avais pas donné en tant que chef d'État arabe mandat général et permanent au président Sadat pour négocier à la place des Arabes. Vous avez dit tout à l'heure que le président Sadat s'est éloigné du camp arabe. L'Égypte s'est éloignée du camp arabe. Ah, oui. Vous le pensez plan, toujours du plan arabe, oui. Parce que j'estime que s'il avait écrit à la Ligue arabe en disant « Moi, je ne souscris pas aux quatre points du programme arabe. Je vais discuter bilatéralement. Je vous demande de me libérer de mes liens au sein du monde arabe. » Peut-être que l'attitude sentimentale aurait été la même, mais notre attitude objective en tant qu'État aurait été certainement moins dure. Mais il ne nous l'a pas dit. Il nous a mis devant un fait accompli, que ce soit ses amis ou ses adversaires. André Potard. Sire, entre le voyage à Jérusalem de M. Sadat et les accords de Camp David, pensez-vous qu'on soit passé à côté, de très près de la paix, et à qui en est la responsabilité? Oh oui. Bien, au lendemain du voyage de Sadat à Jérusalem, j'ai été le premier à applaudir. Et je crois que j'ai plus au fond de moi-même, maintenant j'analyse, j'ai plus applaudi le réalisme et l'opportunisme d'Israël que le courage de Sadat au fond de moi-même. Mais il se trouve que ce jour-là, le génie d'Israël était en panne. Et il n'y a pas eu dans les deux jours ou trois jours qui ont suivi une relève pour faire la relance, mais une réponse ou une relance aussi généreuse, aussi courageuse, aussi porteuse d'éléments positifs. Je pense que c'est le génie d'Israël qui ce jour-là a eu un collapsus. Qu'est-ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Monsieur Bouzinac. Majesté, vous venez de qualifier de capitale la prise de position du président Valéry Giscard d'Estaing, prônant le principe de l'autodétermination. Par voie de conséquence, tout le monde s'accorde à reconnaître que l'autodétermination, ce sera la création d'un État palestinien. Vous avez remarquablement analysé la psychologie israélienne en déclarant qu'il fallait essayer de leur faire comprendre que la paix, c'était leur sécurité. Mais il y a aussi les extrémistes de l'autre bord, ceux qui considèrent qu'il y a incompatibilité fondamentale entre le maintien d'un État israélien et la création d'un État palestinien. Alors, est-ce que vous croyez être en possibilité d'exorciser le démon, puisque tout à l'heure vous nous aviez laissé entendre que vous pouviez exorciser le démon du côté, enfin, tout au moins d'appréhender les problèmes israéliens, mais est-ce qu'il y a possibilité aussi de faire comprendre aux extrémistes de l'autre bord que, quand même, la paix doit aller dans la voie du maintien de l'État israélien? D'abord, je ne pense pas avoir dit que j'exorciserais moi-même, parce que je n'ai pas cette prétention, je n'en ai pas les pouvoirs, ça sert d'auto en plus. Et je crois que j'ai parlé à l'indéfini, je n'ai pas dit « je ». J'ai dit « je pense qu'il faut exorciser ». Vous savez, les extrémismes, c'est comme les plantes. Il leur faut leur écologie. Mais quand on crée une écologie équilibrée, l'extrémisme n'a plus asile là où il était. L'extrémisme ne bourgeonne et ne grandit et ne s'épanouit que dans une écologie particulière d'instabilité, de manque de confiance et de conspiration continue. Je pense personnellement que cet extrémisme fera du mal au premier pas vers la paix, qu'il cherchera par tous les moyens à faire que cette région du monde continue à manger ses dollars en armement et en réalisation non productive, mais je suis sûr que si toutes les nations de la région, alors avec la responsabilité d'une nation, décident de la paix, avec naturellement la satisfaction des différentes exigences, je suis à peu près certain que l'extrémisme s'en ira. Encore deux questions rapidement sur le Proche-Orient, Paul Baltard. Oui. Comment voyez-vous la création de cet État palestinien? Est-ce qu'il pourra coexister avec la Jordanie? Où est-ce qu'il se situera? Est-ce qu'il ne sera pas gênant un petit peu pour les différents voisins de la région?
Je pense que si on crée vraiment un État palestinien, qu'on ne triche pas au départ, voyez-vous, c'est très important. La naissance d'un État, c'est comme la naissance d'un enfant. Il faut que le pédiatre, vraiment, ou que les pédiatres, nous avons vu au traité de 1919, quand on a voulu refaire l'Europe, les sept faits n'étaient pas présentes. Si donc les sept faits étaient présentes pour la naissance de cet État palestinien, si on lui donne toutes les possibilités de grandir et de se développer, il cohabitera plus et plus intimement avec Israël qu'avec la Jordanie. Vous faites comme ça, j'ai l'impression que vous le pensez vous aussi. Majesté, est-ce que vous pourriez être un service de ces pédiatres? Comment? Est-ce que vous pourriez être un service de pédiatres? Moi, je ne refuse jamais mon concours quand c'est pour quelque chose de sérieux. Sire, je voulais vous dire, puisque nous parlons de l'autodétermination du peuple palestinien, c'est là-dessus que butent actuellement les négociations entre l'Égypte. Je craignais que vous me disiez pourquoi n'acceptez-vous pas celle du peuple sahraoui. On allait peut-être vous imposer. Moi, je m'en tenais à la première idée, et je voulais vous dire comment se fait. En fait, c'est là-dessus que butent les négociations actuelles entre l'Égypte et Israël, dans le cadre des traités de Camp David. Alors, lorsqu'on parle d'autodétermination, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement supprimer la procédure actuelle israélo-égyptienne, ou est-ce que ça veut dire qu'on soutienne simplement l'Égypte dans sa recherche d'une autodétermination avec Israël, ce qui conserverait tout de même la paix séparée qui vient d'être obtenue? Si on veut faire quelque chose de partiel, si on veut bricoler, excuse du terme, on n'a qu'à continuer à faire une guerre byzantine sur l'autodétermination. Est-ce les Palestiniens de l'intérieur ou les Palestiniens de l'extérieur? Nous l'avons vu, prenons le cas de l'Algérie. Aucun gouvernement n'acceptait d'entrer dans les négociations si le FLN ne se réunissait pas, militaire et civil. Je le sais parce qu'il se réunissait soit à Oujda, soit à Tripoli, soit à Tunis. Donc on tient toujours compte des gens de l'extérieur. Et le jour où on tiendra compte des gens de l'extérieur, ce jour-là, le problème sera pris dans sa globalité. Mais en allant comme ça, avec les petits pas, on bricole. Ça, enfin, c'est mon point de vue. Paul Nahon. Majesté, vous avez ri il y a quelques instants. Je vous pose quand même la question. Pourquoi accepter l'autodétermination sur le problème des Palestiniens et pas accepter l'autodétermination sur le problème des Sahraouis? Si la France disait demain, derrière l'Europe, il faut que les Sahraouis s'autodéterminent. Ah oui, c'est vous qui avez posé cette question. C'est vous qui avez posé la question. Oui, alors, si la France le faisait, je dirais à Giscard, écoutez, mon cher ami, vous exagérez, c'est tout. Non, le problème n'est pas là. Justement, j'ai fait en sorte que vous me posiez la question. Parce qu'on ne peut pas comparer 6 millions d'individus hyper développés intellectuellement. C'est là où l'analphabétisme est, d'après l'UNESCO, le moins existant, d'abord. Ils sont alphabétisés à 99, quelque chose. Ingénieurs, médecins, chercheurs, prix Nobel. Ils étaient 70 000, j'en ai 45 000. Les autres sont allés en Mauritanie et vous allez donner l'autodétermination à 10 000 ou 15 000 personnes pour faire un État. Si vous avez survolé le Sahara, qui va les faire? Qui va les nourrir? Le sable. Majesté, après tout, j'étais il y a quelques jours à Qatar. Les Qataris sont 25 000. Les Bahreïnis sont un peu plus nombreux, mais pas tellement nombreux. Oui, mais ils ont toujours constitué une entité. Et le jour où on a créé l'État de Bahreïn, ou l'État de Qatar, ce sont toutes les tribus qui voulaient être Qataris ou Bahreïnis qui se sont, dans un mouvement tribal, rassemblés. Et la preuve que les 25 000 ne constituent pas, c'est que les Qataris et les Bahreïnis sont presque occupés par la main-d'œuvre intellectuelle ou physique étrangère. Il y a plus d'étrangers à Qatar et à Bahreïn qu'il n'y a de Qatar et de Bahreïn. Le drame pour le Koweït, pour tous les Émirats, c'est que le national est au moins la moitié ou le tiers quelquefois des étrangers qui y travaillent. Et vous appelez... Alors là, je crains la déstabilisation. Voilà un cas de déstabilisation. Oui, ce que je n'admettais pas pour la Tunisie. Cela étant, ce qui m'a frappé, puisque j'ai été du côté de Tindouf, dans les camps des réfugiés, j'étais à Nouakchott, en Mauritanie, et vraiment, ce qui m'a beaucoup frappé, mais comme une évidence, et je l'ai écrit, c'est cette parenthèse entre, si vous voulez, Mauritaniens et Sahraouis. Il y a quand même là une entité, une personnalité,
Mais M. Balta, je suis très heureux de vous l'entendre dire parce que vous ne faites que confirmer ce que j'ai toujours dit. Le Polisario est mauritanien. Il ne faut pas oublier que c'est la Mauritanie, l'Espagne et l'Algérie qui, en 1972-73, ont créé le Polisario. Et le Polisario constitue maintenant un danger énorme pour la Mauritanie. Parce que ce sont tous des Mauritaniens. Et le Polisario maintenant est devenu plus une idéologie qu'un mouvement de subversion. C'est le Polisario, c'est-à-dire un côté socialiste, sahraoui, révolutionnaire et autres. Alors là, nous n'allons pas rêver, mais nous allons supposer, qui est déjà plus près du terrain, supposons que la fraction Polisario d'une partie de la population de Mauritanie prenne le pouvoir. Rien n'est plus facile, parce que rien ne représente le pouvoir. Et qu'elle appelle à ce moment-là, comme en Afghanistan, certaines autorités ou certaines puissances à venir nous donner un petit coup de main. Où irions-nous? Et ça, ce n'est pas improbable. Que feriez-vous dans ce cas? Comment? Que feriez-vous, Majesté, dans ce cas? Que ferait le Maroc? Le Maroc renforcerait ses frontières du côté de Dakhla, au sud du Sahara, et attendrait. Mais de toute façon, à ce moment-là, il ne s'agit pas du Maroc. Il s'agit de leur Afrique. Et je ne peux pas tout seul donner le coup d'aspirateur. Il nous reste encore très très peu de minutes, Majesté. Il y a encore tellement de choses à vous demander. J'y peux rien, c'est donc vous. On va essayer. Mais je sais que vous posez la question. Bien, et en quelques minutes, il faudrait quand même évoquer aussi ce qui traverse l'islam aujourd'hui, l'affaire iranienne, la révolution iranienne qui secoue le monde islamique, et aussi l'Afghanistan et la résistance afghane à l'invasion soviétique et qui est soutenue par pratiquement la majorité des pays musulmans. Dans tout ce courant qui secoue en ce moment l'islam, vous qui êtes un des leaders spirituels de l'islam, où vous situez-vous? Par rapport à l'affaire d'Afghanistan, j'ai été très clair. J'ai dit à nos amis soviétiques, soit en tête-à-tête, soit ma délégation publiquement, qu'il était inadmissible pour nous, quels que soient les motifs, présents ou futurs, et quelles que soient les raisons stratégiques, économiques ou autres, il était impossible pour nous d'admettre qu'un pays musulman, quel que soit son régime, puisse être occupé par les armes, par un autre pays. Ça, c'est l'attitude à l'égard du Dieu de l'Afghanistan, elle est claire, elle est nette. Elle n'est pas la mienne seulement, elle est celle du monde islamique tout entier. Concernant les événements d'Iran ont consisté à réveiller un dragon qui sommeille. Et je crois que s'il y avait eu la moindre tentative de dialogue, il y a de cela 2 ans ou 3 ans, entre le Shah et certains religieux, pour revoir la constitution de 1906, je ne dis pas l'appliquer complètement, mais la revoir, l'amender, nous n'en serions pas là. Ceci dit, il ne faut pas oublier que l'Iran est chiite. Il ne faut pas oublier que la Shia n'est pas orthodoxe. Et il ne faut pas oublier que la Shia est très absolue. Non. Ce qui fait la différence entre la Sunna et la Shia, c'est que la Sunna est tolérante. C'est-à-dire la majorité des musulmans et la majorité iranienne et irakienne. C'est ça. Sont chiites. Et la Shia est absolue. La Sunna est tolérante. Alors, dès qu'on a réveillé le dragon, s'est réveillé avec ses flammes et son intolérance. Sire, les Jeux Olympiques, irez-vous ou n'irez-vous pas? Moi, je n'ai pas de représentant aux Jeux Olympiques. Donc, vous n'irez pas de toute façon. Non, je n'irai pas de toute façon. Bien, je crois qu'il faut quand même arriver à parler un tout petit peu de l'Afrique, même s'il ne reste que 5 minutes. Non, voyez-vous, je m'excuse d'être un peu long, mais par respect pour le téléspectateur. Je crois qu'il faut expliquer. Je suis obligé d'être clair si je veux vraiment expliquer ma pensée sur un certain nombre de points. Je crois que vous l'avez été, et nous vous en remercions. L'Afrique, il faut peut-être aussi, parce que là aussi il y a des tentatives de déstabilisation, et on parlait de Kadhafi au Maghreb, il est aussi parfois présent au niveau de l'Afrique noire, et on l'a bien vu en Centrafrique. Alors, l'intervention de la France en Centrafrique a fait poser question à nombre de pays africains et à chefs d'État africains, où on entend parler lorsqu'on se promène d'action néocolonialiste de la France.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez et comment les Africains peuvent se prémunir sur des interventions extérieures, sinon en faisant appel à leurs alliés? Mais dans ce cas-là, je serais moi aussi un néocolonialiste. Je suis allé au Chabat 2 fois. Non, il faut vraiment faire la différence. Mais à l'appel des Occidentaux ou à l'appel des pays africains? Non, à l'appel des pays africains. Moi, je ne vais qu'à l'appel des autorités légitimes. La preuve, nous sommes à couteau tiré avec le Bénin. Mais supposons que le président Kirikou ait demain un mauvais coup dans son pays et qu'il demande officiellement au Maroc d'envoyer un contingent. Je l'enverrai. Parce qu'après tout, je ne veux pas être plus béninois que les béninois. Mais ce que je n'admettrai pas, c'est les hold-up. Je n'ai pas les hold-up et j'estime que l'Afrique est devenue un champ de hold-up politique un peu trop fréquent. Quel est le brigand, l'Union soviétique? D'abord, le brigand, c'est la façon dont ont été formés peu tant qualitativement que quantitativement les cadres africains. Quand la France et l'Angleterre sont partis, vous avez laissé le vide. Voilà, à mon avis, le premier profiteur du hold-up, c'est le vide. Mais enfin, l'histoire ne se refait pas, comme dirait Mauriac, comme un devoir de français. Oui, l'Union soviétique, c'est fort possible. Ou Cuba. Puisque maintenant, Cuba veut apparaître comme n'étant pas le fils aîné du Kremlin, mais comme étant un homme adulte. Enfin, beaucoup de gens veulent... Mais à votre avis, Majesté, comment justement les Africains peuvent se prémunir de tout cela? Les marchands d'armes. Il n'y a rien de plus puissant dans le monde que les marchands d'armes, de plus riches. Mais est-ce que l'Afrique peut s'organiser pour se défendre contre cela? Oui. À mon avis, elle pourrait s'organiser à condition qu'elle veuille jouer le jeu de la démocratie. Si elle joue le jeu de la démocratie, elle pourra se prémunir car elle guérira d'un mal qu'elle porte en elle-même, c'est le tribalisme. Il nous reste 3 minutes, donc on va poser 3 questions. Alors, je vais vous poser une question très rapide le pays dans lequel nous nous trouvons, si alors, allons-y. Est le vôtre, le Maroc. Qui est le vôtre aussi. Alors, vous tous. Celui de nous tous. Je voudrais simplement vous demander ceci. On parle beaucoup de la hausse des prix, de la hausse continuelle des prix. On parle aussi beaucoup des difficultés que peuvent avoir, dans certains cas, les masses à se ravitailler en certains produits. Est-ce que vous pouvez nous dire où et quand vous pensez que cette évolution pourra s'arrêter et que l'on arrivera tout de même à... Les prix, les prix sont une chose et la pénurie en est une autre. La pénurie, je peux m'inscrire en faux concernant la pénurie. Les marchés, les souks, partout sont ouverts, vous pouvez aller voir, que ce soit depuis les monceaux de fruits jusqu'au monceau de légumes et de viande, ça, la pénurie. Mais seulement le prix. Quand nous faisons une tomate, nous faisons marcher un petit tracteur. Quand on fait marcher le petit tracteur, le fioul a augmenté. Et celui qui nous vend la pièce détachée du petit tracteur, nous l'avons augmenté parce que le fioul a augmenté. Donc, le monde est fou sur le plan énergétique. Et cette indiscipline de l'énergie a fait que les effets multiplicateurs des prix se retrouvent partout, même chez le fabricant de rouge à lèvres. Majesté, vous aviez promis dans plusieurs de vos discours de vous attaquer aux privilèges dans votre pays. Vous l'avez fait d'une certaine façon. Mais quand on vient souvent au Maroc, on est quand même bien obligé de constater que les riches sont toujours aussi riches, et si j'ose dire, les pauvres toujours aussi pauvres. Non. Et que le fossé s'élargit. Le fossé s'élargit, effectivement. On a l'impression que vous ne faites rien. Non, on ne peut pas. Le problème est beaucoup plus profond, et il faut faire le problème, il faut le résoudre d'une façon légale et définitive, et pas d'une façon démagogique, dire « Allez, je vous enlève la moitié de ce que vous possédez ». Ça ne suffirait pas à enrichir les autres. Non. Il y a dans notre secteur, comme vous le savez, je vais aller très vite, le secteur public, le secteur semi-public et le secteur privé. Le secteur public, c'est nos fonctionnaires. Bon, on n'y touche pas. Déjà, on voudrait pouvoir augmenter leur salaire. Mais il y a le chancre de cette histoire-là, c'est le secteur semi-public. Ce sont les offices, ce sont les établissements publics, ce sont leurs filiales. Alors cela, nous sommes en train de régler leurs problèmes juridiquement en regardant chaque office, chaque établissement public. Et je pense que d'ici la fin de l'année, la hache va tomber, il y en a que nous supprimerons, il y en a que nous étêterons. Mais de toute façon, d'ici fin 80, je vous demande de revenir, nous ferons ce mois-là tranquillement sur une petite interview, un bilan, et vous verrez que nous aurons économisé plusieurs dizaines de milliards. Majesté, si je puis me permettre, vous dites souvent à juste raison que votre pays
est une des seules démocraties de la région. Alors pourquoi, si vous tenez véritablement à cette appellation de la démocratie, ne pas libérer certains prisonniers politiques? Je vous donne un exemple, par exemple, on a beaucoup parlé en Europe et en France, le poète Abdelatif Lavi, qui est incarcéré depuis 1962 pour délit d'opinion. Et puis il y a Serfati aussi. Non. Oui, Serfati. Oui, alors Serfati, je le garde. C'est pour le protéger, parce que si je lâche, il le lynche. Il a été parmi ceux qui ont dit que le Sahara n'était pas marocain. Vous voulez que je le relâche? Mais il est malade, j'ai l'impression. Non, écoutez, c'est un Marocain, c'est une affaire intérieure, c'est pas parce qu'il est juif qu'on va en parler. Chez moi, il n'y a pas de complexe de juif. Il n'y en a jamais eu. Le juif est marocain comme le musulman. Bien, je crois qu'il y aurait peut-être encore d'autres questions à vous poser, Majesté, mais l'heure est écoulée, je dirais même on a légèrement débordé. Je crois que sur toutes ces questions qui sont très importantes en ce moment, vous avez répondu avec beaucoup de franchise et beaucoup de réflexion, et je crois que nos auditeurs seront très éclairés sur tous ces points. Messieurs, je vous remercie. Prochain Face au public, mercredi prochain, avec Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT. Ça changera un peu. Il est ici, c'est pour ça que...